Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour à Paris, votre rubrique Turf FR en partenariat avec le site theturf.fr. Alors, ce mercredi 12 octobre 2022, direction l'hippodrome d'Anguin, avec les trotteurs qui nous attendent, une réunion très sympathique. Je trouve vraiment qu'il y a des courses intéressantes. Moi, je me suis intéressé à la dernière course il faudra attendre la 8ème course à 17h55 dans cette première réunion, avec des pouliches de 4 ans n'ayant pas gagné 54 000 euros un lot très intéressant. 16 partantes, hein. on a fait le plein euh, sur 2150 mètres avec un départ donné à l'aide euh, de l'autostart dans cette compétition. Je n'ai retenu qu'un seul cheval, hein. on va essayer de briser un peu la mauvaise série euh, qui est en cours. Ce sera tout simplement le numéro 6, Irma Duvier. J'adore cette pouliche, l'engagement, vous le voyez, est très bon. Elle a moins de 600 euros du plafond. Le numéro, un peu à l'extérieur, mais pas tant que ça au final. Voilà, c'est une pouliche surtout qui adore ce genre de parcours. Regardez, elle reste sur une troisième place le 16 septembre, c'était il y a à peine un mois, sur un parcours de vitesse où elle avait d'ailleurs un numéro en deuxième ligne, il me semble. Donc le lot était vraiment intéressant. Elle trotte une 12 sur 2100 mètres, c'est vraiment extra comme chrono. C'est une concurrente, euh, voilà, qui a vraiment des bons moyens. Elle a couru. Regardez avec Ivana Derak, c'est vraiment un parcours euh, très intéressant. Une, une... Une pouliche très intéressante également. Euh, donc voilà, regardez cette victoire à Anguin. Elle adore cette piste également, hein, vous le voyez. Euh, elle a gagné sur le long parcours. Elle battait Ice Quick, hein, justement Ice Quick, euh, que vous retrouvez ici déféré des, des quatre pieds, euh, qui a réalisé quand même un bon bout de chemin ces derniers temps. Donc voilà, un engagement idéal, avec, euh, je pense, un parcours qui devrait vraiment lui convenir et sur lequel elle est capable, si elle a le bon parcours, parce qu'il y a quand même 16 partantes, euh, de jouer la victoire. Donc voilà, euh, le euh, cheval du jour, ce sera donc... Euh, le choix du jour sera un jeu simple. Le 806 en réunion 1, euh, Irma Duivi a joué de mon côté un euro gagnant et 3 euros placés. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ces deux derniers jours. Ça s'est pas vraiment bien passé. Hein. Euh, C'est vraiment dommage du côté de la Capelle, je crois. Où vous croisez la roche, euh, c'était euh, dimanche. Euh, malheureusement, je vous ai indiqué un jumelé gagnant placé, j'ai choisi le mauvais euh, cheval de Julien Rafestin, euh, puisque c'est le deuxième qui a gagné à 25 contre 1, Open Glory, que j'aimais beaucoup malheureusement. Voilà, il faut faire des choix, et c'est vrai que quand on n'est pas en grande forme, on ne fait pas forcément les bons choix. Et le deuxième cheval, donc, qui gale, qui est deuxième, le deuxième cheval du couplet, euh, voilà. et puis euh, bah, l'autre euh, Rafestin qui est au galop, donc euh, bon, voilà, un coup d'épée dans l'eau. Et puis, euh, ce lundi, c'était du côté d'Anguin déjà, je vous indiquais Benz As. Malheureusement qui s'est mis au galop euh, en face, hein, c'était euh, l'un des favoris de cette course. Euh, voilà. Encore une fois, euh, un cheval au galop, vraiment, vraiment un manque de réussite. J'espère vraiment que la chance va tourner euh, pour continuer cette semaine. En tout cas, euh, je vous remercie euh, d'être fidèle à cette émission euh, de Un Jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en hein, cochant la petite cloche. Euh, moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition euh, de Un Jour en Paris. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye